Kaya Toussila, je suis la fondatrice et la directrice de Bamako Art Gallery. J'ai 30 ans, je suis mariée et je suis maman. Bamako Art Gallery se présente comme aujourd'hui la vitrine de l'art contemporain au Mali. C'est un espace d'échange artistique, culturel et humain qui met en lumière des artistes aux médias très variés, dont la sculpture, le design, la photographie, l'art plastique et bien d'autres. Beaucoup de gens me posent cette question parce qu'ils se demandent ce qui motive une jeune entrepreneur du secteur de la communication à ouvrir une galerie d'art à Bamako. Et je dois vous avouer que j'ai très souvent du mal à répondre à cette question, justement, parce que je n'ai pas de réponse à cette question. Tout ce que je sais, c'est cette passion que j'ai pour l'art, et je partage cette passion avec eux. Une passion qui s'est construite progressivement et s'est précisée au fil des années. Une passion qui m'a poussée à imaginer un espace dont l'utilité va au-delà d'un simple vernissage, car je sais que beaucoup de gens sont intéressés par le processus de création artistique et contemporaine. Une passion qui a créé une envie de faire enfin quelque chose en accord avec des aspirations que j'avais depuis longtemps. Une passion qui est finalement devenue un choix de vie, mon choix de vie, je l'appelle. Moi, j'appelle ça les joies de l'entrepreneuriat, parce que chaque entrepreneur est un jour ou l'autre submergé par le poids des responsabilités sur ses épaules. Souvent, on est complètement perdu entre les difficultés financières, les difficultés commerciales, les retards des paiements de clients, le burn-out, la solitude et bien d'autres. Mais dans un projet comme le mien, la difficulté première est de durer. J'en ai donc fait mon objectif premier. Nous travaillons dans l'ombre, nous faisons la promotion d'une esthétique, nous parions sur des artistes, mais nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur. Il y a aussi des freins culturels, il y a des freins sociaux, il y a des freins religieux, et aussi il y a cette difficulté à mettre en place un réseau de collectionneurs. Une fois de plus, contrairement à ce que les gens pensent, une galerie ne vit pas de ses visiteurs. Une galerie vit du réseau de collectionneurs qu'elle met justement en place. Quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, pour moi, la réussite professionnelle se signifiait remporter beaucoup de contrats, gagner beaucoup d'argent, gravir des échelons. Mais très honnêtement, aujourd'hui, je suis convaincue que ma réussite professionnelle est ce travail que je crée autour de moi pour d'autres personnes, notamment des femmes. Savoir qu'on arrive à inspirer des gens et à mobiliser des personnes autour de son projet, c'est réconfortant et c'est surtout très important pour moi parce que je me dis que je crée de la valeur et surtout que je sers ma communauté. Je peux me définir en trois mots: ambitieuse, déterminée et persévérante. Au Mali, ici, le conseil que je donne aux futurs jeunes entrepreneurs, c'est d'arrêter de demander leur chemin aux autres. Il faut avancer vers ce qui vous semble bon et juste, autant par intuition que par réflexion. Des difficultés, vous allez en rencontrer, mais comme je le dis et je le redis ici encore, le succès est la sœur des échecs répétés.